Coucou, je vous prends de face. Ça faisait super longtemps, hein. Je crois que ça fait 3-4 jours que j'ai pas vlogué pour différentes raisons. Si ça vous stresse, moi aussi, c'est une petite tache d'huile. Je mets de l'huile sur mon décolleté, l'huile hydratante, et je crois que j'en ai mis là. Tout ça pour vous dire que oui, ça fait un moment que j'ai pas vlogué parce que déjà, toujours ce problème de migraine, c'est pas encore stabilisé. Je les ai enchaînés quoi, tous les jours, donc pas le moral. Ça m'a miné à un point. Là, ça va mieux. Il y a également ma famille qui est venue de Saint-Martin. On a passé toute une journée ensemble. Le lendemain, on a enchaîné dans la famille d'Eric, pareil. Donc, ça, c'était hier pour la fête des pères. Bref, je reviens aujourd'hui. Il est quelque chose comme midi. Je vais aller chez Action pour la première fois depuis le déconfinement. J'ai dans l'idée donc d'acheter des éléments pour des potentiels DIY à venir. Pour vous faire un haul que je souhaite faire aujourd'hui. Donc, pour que vous l'ayez également ce soir, hier pour vous. Et je continue également à vlogger. Donc, grosse journée, il fait très très beau. C'est lundi, c'est prévu qu'à partir de demain ou après-demain, les fortes chaleurs reviennent. Là, je suis moins fan. Regardez, ce matin, Eric est allé chercher du pain. Et à la supérette, il a pris ça. Je n'en avais plus du tout. Donc, des masques jetables. Regardez le prix. 37,50 €. Il y en a 50. Ok. Mais qu'est-ce que c'est cher. Bon, en tout cas, on n'a pas le choix. Je n'en avais plus. Et c'est vrai que les masques papier, tissu, moi, c'est irrespirable. Ceux-là, je gère. J'y arrive donc, bon, voilà. Je suis prête. Petit masque. Allez, go. Comme d'hab, je fais un petit tour et puis tout ce que j'achète pas, je vous montre. Donc, si vous m'entendez mal, c'est normal. J'ai le masque. J'aime bien venir entre midi et 13 h. Déjà parce qu'il y a personne. Et puis, ça permet quand même en ce moment d'être plus sereine. Alors, je sais qu'il me fallait. En papeterie, alors attendez, parce que je vais pas acheter pour acheter, ça c'est fini, parce qu'il faut vraiment que je désencombre ma maison. J'ai déjà prévu d'ailleurs d'exposer tout, et puis les personnes de mon entourage, ma famille, vont venir faire un petit peu leur shopping, enfin gratuit hein, bien sûr, mais ils vont choisir des choses. Alors, qu'est-ce que j'avais besoin? Bien évidemment, j'avais fait une liste que je n'ai pas emmenée. Pour ceux qui aiment bien les bullet journal. Il y en a quand même pas mal. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Ils sont préfaits, on va dire. Il y a vraiment tout. Après, c'est vrai que ceux qui veulent les faire eux-mêmes, c'est peut-être pas le bon format. Et surtout le fait de venir à cette heure-ci, quand tu vlogs, c'est quand même mieux. Hein. Il n'y a pas grand. Regardez comme c'est mignon. Bon, j'en ai déjà plein. Mais notamment celui-ci, ça peut être très joli. Là, je reste jamais très longtemps parce que les bougies, c'est tellement entêtant. J'aime bien cela, enfin en blanc. J'en ai pas besoin non plus, mais très sympa. Par contre, au toucher, c'est pas très agréable. Oh, ça c'est sympa, toujours pratique. J'ai fait le tour. Je vous montrerai plutôt dans le hall. Enfin, on va voir, ce sera déjà en ligne. Je suis rentrée. Il est 13 h 08. Pardon? En fait, je viens de sortir tout pour faire une grosse salade. Et évidemment, regardez. Le surimi, ça faisait très 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 longtemps. Que je n'aurais pas. Regardez, mais c'est un truc de fou. Non, non, ah non, par contre, non, on est bien élevé. À ta place, juste faire ça, appuyer. Les gentils, les pages. Il y a eu dressage ou pas? Voilà, ça j'aime quand tu fais ça. Papa, il est dans sa douche, il commence à 13 h 30, il est 13 h 11, bravo. On va poser, on fait comme d'habitude. La pâte, elle est là. 1, 2, 3, soleil. À soleil, t'as le droit de manger. Il y a des bonnes choses. Hein. Si j'étais rentrée plus tôt, j'aurais fait des œufs durs. Et là, c'est le fond de mozzarella. J'ai terminé de tourner. Je me suis mis ça. Je me suis rendu compte que le truc était mal mis tout le long. Et j'ai dû mettre un trombone, faire un trou, parce que sinon, il s'ouvrait jusqu'ici. Et il faut vraiment que je me trouve des pinces à nourrice, parce que je l'aime bien, ce petit haut. Alors, ne me demandez pas d'où il vient. Il n'est pas de première jeunesse. Ouais, il date. Il date, mais je trouve qu'il est quand même très joli. Il y a du monde en bas. Pourquoi tu descends pas faire un coucou? J'ai froid, donc j'ai mis mon pilou-pilou. J'ai enlevé mon chemisier parce qu'en plus le truc là commence à me piquer là. 15 h 47, je pense que ça va être bon pour le petit haul. Ça me fait bizarre, je suis pas en fait, pour être honnête, le format haul. Alors là par exemple je parle, tu vois. Non, pas du tout, non. Donc, je reprends le format haul et haul action. Pour moi, ce sont des vidéos faciles. Faciles quand tu es créateur de contenu.
Tu te poses, tu montres, et voilà quoi, c'est du déballage. Il n'y a rien de poussé, donc je sais pas comment dire. J'ai pas l'impression d'avoir fait un challenge ou d'avoir fait un truc cool. Donc c'est pour ça que j'en fais pas des masses. Moi j'aime bien, et de plus en plus j'aimerais faire plus de des formats différents. Là par exemple, c'est pas le premier, des abonnés qui me disent, tiens, je suis tombée sur des anciennes vidéos de toi, et notamment quand tu faisais du wake up. Ils savaient pas que je faisais du wake up. J'aimais bien, c'était cool, et je leur dis, bah ouais, mais c'est vrai que ça me prenait énormément de temps pour pas beaucoup de vues, mais en même temps, c'était il y a longtemps, forcément. Ma chaîne a évolué, donc peut-être que si je recommençais ce format, peut-être qu'il y aurait beaucoup plus d'abonnés, je sais pas. Je vais peut-être recommencer Wake Up, mais alors différent, différent, avec toujours un thème à chaque fois, et pas 15 000 thèmes comme je faisais. À voir, je réfléchis. Dites-moi si vous. Ceux qui connaissaient Wake Up, et si vous seriez pour que je recommence. C'est jamais. Donc, je suis en train de parler, mais il faut que je continue. Parce que mon rôle n'est pas terminé. Je vous montre juste un truc rapidos. Une petite mignonnerie, comme on dit. Qui se passe dans cette pièce? Ça remue la queue, ça s'agace, mais ça parle beaucoup. Tu parles un petit peu? Tu racontes quoi, mon chéri? Hein? Tu dis bonjour? Voilà. Les gentils, hein? Vous avez vu un petit peu? C'est les positions qui me font craquer, les petits regards. Il y en a partout. Partout. Donc, je rangerai après. Je vais goûter d'abord. Il est 4h30, je crois. Lui, il est persuadé qu'il va goûter alors que, bah non. Faut que je vous parle de quelque chose. C'est une blague. Ceci. En fait, vous connaissez Octoly. Octoly, c'est la plateforme des youtubeurs. Ivancy aussi. Et à chaque fois, tu as des propositions. Et là, on avait reçu un message disant Dior est enfin sur la plateforme et tout, donc faut vraiment se dépêcher si tu veux avoir une chance de recevoir les produits. En général, moi très souvent, j'ai reçu vraiment les nouveautés parfums de différentes marques, tu reçois vraiment le coffret, tu reçois le parfum. Pour essayer, donc je dis tiens, pour Eric, ça peut être cool, je vais tenter cette nouveauté Dior Sauvage qui vient de sortir, je le commande. Et en plus, ils te m'ont montré en photo le coffret, blablabla. Et là, dans la foulée, mais bravo, félicitations, vous allez recevoir le parfum, j'étais trop contente. Et je me rends compte que c'était écrit en tout petit pour recevoir l'échantillon. Non mais c'est une blague. L'échantillon. L'échantillon que tu peux trouver dans n'importe quelle parfumerie. Mais pour ça, les conditions, pareil, je n'avais pas vu, il faut que tu dises les fragrances, que tu donnes tes sentiments, en fait que tu expliques un petit peu ton ressenti face à tout ça. Non mais franchement, je l'avais un peu mauvaise. Et je pense que je ne suis pas la seule à m'être fait avoir. Je le dis, la marque le verra. Et ben voilà, je ne suis pas contente, Octoly, ni Dior, du tout, du tout, du tout. Je trouve que non, c'est pas cool. Je m'étais dit, de toute façon, je vais vous donner mon avis, hein. Ce parfum sent extrêmement bon, mais extrêmement bon. Tout est réuni pour que ce soit, vous voyez, le côté sensuel de l'homme, de cette odeur, mais. Oh, qu'est-ce qu'ils mettent derrière pour que ce soit aussi bon? Les fragrances et tout. Fève de tonka, sillage d'arômes cuirés et amers. Enfin bon, si vous avez l'occasion de le sentir, ça vaut vraiment le coup. Vous savez, c'est la pub avec Johnny Depp. Je vais pas en faire des tonnes, hein, comme c'est prévu. Faut arrêter les conneries. Je l'aurais fait si ça avait été vraiment le grand format, mais là, non, non. C'est l'heure de goûter. Je vais enlever ça, hein, j'ai trop chaud, on a goûté. Et je suis en train de tester un truc. Je fais des essais pour des fonds parce que je dois avouer que celui que j'ai tapissé, eh bien quand je visionne mes prises de vidéos, par contre là c'est trop bas, j'ai le truc qui est en train de descendre à vue d'œil, je vous perds, il est hyper chargé, il est très chargé et je sais pas en fait, t'arrives pas à te concentrer sur le sujet, donc sur la personne qui parle et sur ce qu'elle dit. Embêtée. Donc je me dis que ce petit fond que j'ai d'ailleurs utilisé pour le haul, que non en fait c'était un autre angle, je suis en train de regarder, ça m'a l'air pas mal. Peut-être en se détachant, enfin en mettant un petit peu plus loin, je sais pas. Mais ouais, je pense que. Dites-moi quand même. J'ai l'impression que dans ce vlog il y a beaucoup de choses. Vous devez me dire beaucoup de choses, non? Bah dites-moi ce que vous voulez en fait. Ce sera plus simple. Jack a faim, je pense qu'on va aller très certainement marcher, mais comme il fait très chaud. Si on marche, c'est pas avant 19h. Et là, il doit être ouais, 6h20, un truc comme ça. Bon, j'y retourne. Vous avez compris? On va aller marcher.
Et j'ai motivé ma fille. On va y aller tous les trois. Elle va voir un peu le trek qu'on fait. Il faut trouver la motivation. Là, je vais vous avouer que je suis claquée. Coup de bas. Il est en train de râler, il ne trouve plus ses chaussettes de marche. Voilà. Je ne sais pas, il les a mises au sale. Moi, j'ai dû les laver, les ranger, mais je ne sais pas. Ouais, tous ces jours-là de migraines que j'ai enchaînées, ça m'a tellement claqué. Mais tellement. Depuis hier, ça va mieux. Vous entendez? Oh, ça me fait chier. Mais c'est pas grave, bébé! Si, si, ça me plaît. Tu remets tes chaussettes d'allemand et puis voilà. Je suis toute nue. C'est quelque chose encore. Bon. J'ai pas eu encore le retour de ma fille, mais. Je crois que. Vas-y, ah ouais, c'est physique. Eric est toujours pas arrivé. Waouh, ça décrase, ça fait du bien. Non, plus ça va, plus ma coiffure. C'est quelque chose. Bon, je vais boire. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, mais c'est bon. De toute façon, je vais monter, je vais me doucher. La douchette est faite. Et bébé, ça qui l'attend. Ce soir, ça va être des patates, des pâtes. C'est. Voilà. Ça, je crois que ma fille, c'est ce qu'elle veut. Moi, je vais faire ses petites patates un peu. Eric, il reste un fond de barbecue d'hier qu'on a ramené. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est pour Marie. Et moi, il y a des patates. Vous voyez? C'est chacun ce soir. C'est un peu resto, là. Hein. Tu peux prendre, bébé, ton assiette. Il est 11h30. Je tombe de sommeil. Je crois que le sport a eu raison de moi. Là. J'ai plus de jambes, je suis crevée. J'étais sur le montage du vlog aussi, tout à l'heure. Avant de faire à manger, je vais fermer tout ça. Et, attendez. Hop, hop, ok. Hop. Je dis, c'est bon. Que je rangeais ça et que je vais faire un gros toto. Je vous retrouve demain, je parle pas fort. Je vous retrouve demain. Salut.